Amis téléspectateurs, Télésignal, chaîne 56, gros bonjour pour nous toutes. Nous comptons, rejoignons l'autre fois matin, dans l'espace invité pour nous parler élections, pour nous parler politique. Nous saluons tous les téléspectateurs, chaîne 56, nous saluons tous les amis Signal, 90.5 qui est avec nous dans le moment. Matin, invité, Assad Volsi, candidat au Sénat pour le département de l'Ouest. Avec lui, nous allons regarder l'actualité électorale là. Assad Volsi, pour nous dire, qui principale motivation qui fait le Vlevin sénateur pour le département de l'Ouest, et qui ça le poté, qui ça le pensé, les capoté pour le Sénat République là, et puis comment elle était vive campagne électorale ça, qui prend le bout tout à l'heure comme ça, et vendredi minuit, campagne électorale là, bout puisque l'élection en cours qu'on elle, c'est bout dimanche 20 novembre qui a venu là, toute autorité en dans l'État, en commençant par le président de la République, Jocelyn Brivert, bah, garantit toute disposition déjà prend pour permettre bon déroulement élection ça. Nous allons regarder ça matin, avec invité Assad Volsi ou sous Télé 56 Signal, et puis 90.5 l'an Signal FM, n'a pas de pause, n'a pas tourné avec invité. Nous retournons avec invité nous, amis téléspectateurs. Merci encore une fois pour patience, fidélité et attention. Assad, nous saluons. Comment nous sommes? Bonjour, Franz Exantus. Bonjour, tous les téléspectateurs à télévision Signal FM. Bonjour à tout auditeur Signal FM. C'est un plaisir pour nous là, matin avec vous, pour nous répondre à l'invitation. Nous espérons que nous allons passer un bon titre ensemble sur le dossier élection, puisqu'il s'agit de ça. Donc, l'autre fois encore, nous saluons toutes si là, qui a écouté nous dans les 20 communes du département de l'Ouest, en particulier la RIA, qui a suivi nous là, la RIA qui a attendu nous. Donc, nous disons qu'il faut balaguer parce que le combat pour changer, il fait commencer et nous engager nous pour bon dans la course électorale, ça, pour nous apporter contribution pas nous. Dans le changement pays. Très bien, nous comptons de ce que nous disponible pour nous à cette matin. Vous nous faites parler à l'auditeur Signalio, téléspectateur chaîne 56, électeur tout qui pourra voter dimanche 20 novembre qui vient à l'élection. Et Assad Volsi, candidat pour le département de l'Ouest, qui côté l'idée a sorti, qui le prend encore, qui fait Assad venir décider, libéral candidat au Sénat à l'élection. Ok. Pas oublier que moi, c'est un monde qui est engagé depuis pratiquement. Mon jeune âge dans la bataille politique, j'ai 16 ans. Là, pour la première fois, j'ai songé que j'ai organisé la première manifestation contre Roger Lafontaine, qui était un coup d'État manqué contre Jean-Baptiste Aristide. J'ai même l'âge pour me voter. Même j'ai compris la nécessité pour me goumer. J'ai capable de dire contre l'inacceptable, pour me batailler, pour te faire respecter le droit de vote, peuple haïtien. Donc, tout jeune âge, m'engager dans la bataille politique, m'engager, par exemple, même comme journaliste, j'étais toujours un journaliste engagé dans la bataille-là, mais jamais, pas vraiment, je n'ai pas dit qu'on motivation pour mal candidat. C'est ça que fait pratiquement en 2006, le René Préval pour aller demander de me supporter pour devenir président après une grosse bataille qui t'a mené dans le pays, mais je suis pas le candidat. Donc, moi, j'ai choisi de dire non, pas candidat. Et par la suite, effectivement, je suis candidat dans le département d'Eni, et côté mon prénaissance. Il faut me rappeler que pratiquement sous des départements, je suis né dans l'Eni, mais politiquement, je grandis dans le département de l'Ouest. Donc, pendant tout le temps, ça, moi, pas de motivation pour mon candidat. Mais ces 5 dernières années, à partir de batailles que nous menons dans le pays, notamment contre le régime de Michel Martelly, la RIA. Les gens qui t'ont accompagné dans Goumé pendant toutes ces 5 dernières années, eh bien, ils ont décidé, ils ont dit, eh bien, il faut que vous ayez un représentant dans le Parlement, parce que vous croyez et vous même persuadé que vous êtes capable de faire une contribution. La RIA, ils ont décidé, nous dit pas de problème, nous prenons devant, ils ont dit,
il n'a pas pensé pour aller dans le Sénat. Mm-hmm. Et nous avons parlé de ça juste avant l'entrevue. Et divorce avec Petite Dessalines, et en pile, mon petit, je ne comprends pas ça parce que tellement tu es collé avec Maurice Jean-Charles dans toute série de mobilisation anti-Martelly. Et puis soudainement, pour une question élection, pour une question et formation de gouvernement, Petite Dessalines, Borompinga, finalement, on divorce et qui fait. Est-ce que ça n'a pas affecté à cette vol-ci comme militant, comme candidat? Est-ce que pas des militants pas dire qui étaient accrochés à Petite Dessalines et à candidat Petite Dessalines qui quitté ou bien l'autre qui toujours été accroché à vous? Ok. La politique, je suis capable de dire, c'est un bagage qui unit les gens, c'est un bagage qui divise les gens. Mais en même temps, c'est un bagage qui réunit les gens. Ça, c'est pratiquement. C'est pas aujourd'hui hein, que il y a deux gens qui ont gommé ensemble et puis un bonjour séparé. Mais cependant, et en ce qui a rapport à scission ça, ou division ça, entre Assad Volsi, Tarababdi et Moïse, donc n'a pas rappelé très clairement que, contrairement à Jean Sodil, nous étions attachés dans le mouvement dans la rue, mais ça fait pratiquement depuis 2005. Depuis 2005, c'est moi-même personnellement qui terrain moi dans Milo. On va chercher Moïse pour te faire venir supporter René Préval. Par la suite, il va devenir membre du cabinet de Préval après l'élection de René Préval. Il va être candidat au Sénat. Donc, c'est pratiquement un frère de combat et politique. Mm-hmm. Et malheureusement, et la situation est développée. Côté que moi, je suis candidat dans la plateforme, non, ensemble avec Moïse. Moïse était candidat à la présidence et moi, je suis candidat au Sénat. Là, je parlais de 2015, 25 octobre. Hein? Et Moïse, eh bien, sur la base que le connaît, qui ça me capote pour lui, il demandait pour me faire retrait de ma candidature, pour me supporter dans tout le pays. Hein? Ce que je m'ai accepté avec, je m'en dit sans problème, puisque, dans tête PAM, hein, c'était d'abord le combat qu'il fallait mener et que Moïse était vice-président. Mais à seule condition, nous dit très clairement que n'a pas le candidat dans le prochain tiers Sénat. Mm-hmm. Et ça a été un accord tacite. Nous avons discuté ça, absolument, pour ça que absolument, nous avons participé à l'élection. Absolument. Et donc, moment arrivé, moi candidat, et puis nous pas chita parler comme avant, nous pas jamais dit rien, et puis temps passé, et ils ont tenté pratiquement de combattre au sein de plateforme non. Lorsque m'exiger justement ils ont primaire, ils ont fait tout ça qu'on n'a pas des primaires, et finalement l'homme rend compte que combat a été fait à l'interne contre moi, et l'homme a une volonté manifeste pour pas respecter cette parole donnée pour moi-même, c'est ton parole sacrée, et bien moi décidé m'inscrire sur l'autre bannière politique. Parce que tu pensais peut-être c'était une primaire, c'est à ça de vol si tu as gagné là. Absolument, absolument. Mmh. Et d'ailleurs j'ai été le seul à écrire officiellement la plateforme hein, pour me informer comme candidat. Donc, pas de concurrent. Mmh. Hein? Malgré pas de concurrent, ils ont décidé en faveur d'un autre candidat. Mmh. Donc, Gomba Osodilato, par exemple, on dit il y a une raison, selon la presse, c'est parce que tu as un ultimatum. Hein? Tu as un ultimatum parce que Assad Volsi a fait partie du gouvernement privé. Et nous songeons que Moïse a dit très clairement Assad qui pour le choisir. Le gouvernement de privé, que je me fais partie parce que je ne suis pas ministre, je ne suis pas directeur général. Oui, estime que tu es participé dans désigner et absolument, absolument. Là. Et moi, tu répondre pour me dire que je ne suis pas ministre. D'ailleurs, je t'ai demandé pour le ministre, je me dis non. Je t'ai toujours dit oui, je reconnais effectivement que je suis un homme. Je suis dit pour le monde de ministre dans le gouvernement parce que je crois. Et ceci, avec, sans embâge, que après 5 ans de combat, nous t'ai dit, je suis privé dans la négociation que nous avons avec lui, conseil de ministère à vocation sociale, et que nous croyons que faut nous-mêmes, secteur populaire qui t'a boumé, il faut que tout à connaître qui est ce monde qui va là-dedans, pour nous assurer, non, la RIA, c'est un oxygène, pour nous assurer, nous sommes capables de voir de l'eau sous la RIA, dans le cadre d'un programme d'apaisement social que nous avons proposé au gouvernement, mais malheureusement, le gouvernement américain vient de dire qu'il n'a pas financé la campagne électorale. Eh bien, en dépit du fait que le programme n'est qu'un film préparé, le gouvernement est obligé de faire bac sur le programme. Ça. C'était seule motivation, non. Donc, mais en même temps, je tiens à reconnaître que ça a été un prétexte, parce que je dis, hein, comme Brunel, c'est le sénateur Ricard Pierre, de Petite Dessalines, qui nommait le directeur de l'OAVCT.
il est membre, il est le secrétaire général adjoint, comme moi, depuis Dessalines. Donc, nous partons des ultimatums et ça ne fait pas de bruit. Donc, on croit que ça a été pratiquement un prétexte. Donc, on croit que je ne joue pas. Donc, manifestement, Moïse Jean-Charles, pas de vlé de ou comme candidat au Sénat. Au fond, c'était ça, selon vous. Bon, moi, l'histoire avait de montrer, puisque imaginez que base problème dans son question de ministère des Affaires sociales comme débat Mombouli. Alors, ce que je dis, nous, à quelques. Ça fait pratiquement deux ou trois semaines, le sénateur Ricard, qui lit même tout, et c'est une secrétaire générale plateforme, non, il baille au directeur général de l'OAVCT, mais personne ne va dire rien sur ça. Donc, ça a été pratiquement un prétexte. Même quand je dis, c'est devant pour nous garder, parce que là, Moïse Soubopal l'a fait chemin, il est candidat à la présidence, il a fait campagne. Moi-même, moi, candidat au Sénat, m'a fait campagne. Et j'aime toujours dire, lui, c'est sa rancune. Hein? C'est ça. Rancune. Mais dans quelle mesure ça affecte vous avancez? Est-ce que vous avez un militant qui dit, vous avez arrêté avec candidat et petite Dessalines choisie? Il y a l'autre qui dit, non, moi-même, m'attaché à Kassad pour lutter, mener. Comment ça affecte vous? Je t'ai dit très clairement que. Comme victime, hein, comme victime, on n'a pas dit, ça fait là, dit plutôt je vais en faveur. Parce que, pas oublier, non, après décision qui te prend pour la game dans la rue, c'est la rue qui a ramassé. Et si la rue n'a pas ramassé, politiquement, je effondré. C'est eux-mêmes qui m'ont mal inscrit en foule. Et c'est eux-mêmes qui ont campé avec pendant toute campagne électorale là, pour faire campagne avec moi. D'ailleurs, je dis, il est très clair, et je vous le garantis, donc je dis très clairement, majorité. Membre de Saligno, on dit, sur chaque 100 monde qui va voter Moïse, pour me très modeste, il y a 80 à 90 qui vont voter pour Assad Bol. C'est parce que je me fais un candidat, pas un candidat sur la plateforme. Non. Et ça, comme je dit, dans mon premier interview comme débat, moi, c'est candidat petit de Saligno. L'autre candidat, c'est candidat Moïse Jean-Charles. Mais au fur et à mesure que tu as passé ma mandat, est-ce que l'autre candidat, c'est candidat Moïse Jean-Charles, parce que je ne vais jamais entendre le voter, je ne vais pas entendre faire campagne pour lui. Donc, on voit que je dis, réalité, tout le monde comprend au niveau plateforme, non? Et Moïse, tout le monde connaît que c'est moi-même même que M. Obral voté, M. Damio, pour l'engagement que je prends avec lui, pour goûter, pour le sacrifice que je fais pour côté. Je ne pas que quelqu'un pour le max à toi, hein? Mais on voit que nous attendons que le 20 arriver pour nous confirmer, ça n'a pas dit là, même plus ou moins confortable, hein? Confortable parce que je dis à là, moi bénéficie d'un large soutien, Et d'ailleurs, petit Saligno, il a parlé de mariage 28-52, c'est-à-dire que Moïse c'est 28, Assad c'est 52. Vous gagnez par exemple, base Lavalassio, en grande partie qui n'a pas supporté et candidat, famille Lavalas là. Vous pensez ça comme si vous n'avez pas supporté Gérald Gilles, vous avez voté vous-même? Écoutez, il a clairement dit que son mariage est 54-52. Je ne dis pas 100%, hein, comme Petit Dessalines. Mais dans une large mesure, et en pile là-dedans, c'est à ça qu'il a supporté. Parce qu'il dit que j'ai une conviction, par contre, il trahit. Il dit qu'il y a quand même beaucoup de côté. Il va là tout pour le monde qui a supporté Justin Lestin. Il dit que son mariage 31-52. Et je vais le plus loin avoir. Même ceux qui supportent Jovenel Moïse, hein, que j'ai combattu. Parce que je ne suis pas d'accord avec l'élection graine soulière, eh bien, la majorité de mon salaire dans l'Ouest l'a supporté. Sous le KTPV, il y a pour les photos. Sous quoi démocratie, il y a pour les photos. Il y a fait campagne pour moi parce qu'il dit. Il reconnaît que je suis en pile courage. Et il reconnaît tout que je ne suis pas combattre un monde, mais je suis combattre un système. Et je ne suis pas même. Je n'ai pas oublié de tout de l'équipe Jean-Risséan, qui a supporté tout, que ce soit à Tabar, que ce soit à Carrefour. Donc, bénéficier d'un large soutien, parce que ce soit Silayo, qui était avec une bataille politique là, je reconnais que Assad Vossi sont militants conséquents, qui ont conviction, qui ne peuvent pas le trahir, et qui ont une capacité tout pour mener une bataille dialectique là, au niveau du Parlement. Et même Silayo, que j'étais soi-disant en face pour voir, je reconnais que je suis correct, parce que je dis, moi, c'est une rare monde. Que le gouvernement n'est pas arrivé corrompre, parce que dans Pine, pendant la bataille politique là, eh bien, qui t'a joué plusieurs autres jouets. Hein? Donc, Assad Vossi était cohérent, et sous base, ça, il dit qu'il a supporté Assad Vossi pour la rire. On entre dans le slogan, ça, justement, ça donne une petite précision, parce que Brit Soukou, Assad Vossi pour la rire, et il est écrit dans pile côté dans la capitale là, depuis avant de gagner une campagne électorale. Tout le monde a demandé ça, ça veut dire. Mais les campagnes viennent l'ouvrir, inscription candidat, ils viennent comprendre que c'est une campagne électorale, Assad a fait. Pour que ça slogan, ça, il y a des gens qui estiment Assad Vossi et comme de fait sale, en pile barrière, en pile mur, en pile monde, ça dérange en pile, yo
image ça ou voyez dans l'esprit en pile monde peut-être ça fait ou pas bénéficier de ce parti. Je dis peut-être un monde comme ça vient sénateur ou déjà une idée de qui ça va le faire et d'autant que Assad Vol son militant politique qui habitue à organiser manifestation. Est-ce qu'on va penser slogan ça attitude ça si c'est vrai il ca mener monde dehors mais tout le qu'a fait en pile monde pas sympathiser avec eux. Oui. Quelle explication sur ça? Bon, c'est normal. On ne peut pas tout gagner. Mais ce qui est certain, c'est que une bonne forme d'hypocrisie dans le pays. L'autre de cette monnaie, l'autre a dit que c'est pour la première fois qu'il y a eu un graffiti dans la rue Port-au-Prince. Moi, depuis tout jeune, je vois que graffiti a son forme d'expression populaire. Oui, mais naturellement, les électoral l'a interdit. Naturellement, naturellement. Et à cette vol, c'est très avisé qu'on est ça. Mais cependant, ce n'est pas ça aussi qui décide pour aller créer ça aussi pour la RIA. D'ailleurs, le slogan pour la RIA, ce n'est pas moi qui choisis, c'est militant yo, qui dit on prend le sénateur pour la RIA. Ça veut dire que pour nous, pour le monde qui a goumé, pour le monde qui a passé misé dans le pays, c'est vrai de reconnaître que, et nous dénoncer plusieurs fois, le fait que il y a des gens qui ont écrit dans la barrière, qui ont écrit dans le mur, nous condamner et nous dire à plusieurs fois, mais cependant, nous reconnaissons tout. Ce n'est pas pour la première fois que graffiti, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir des graffitis sur le mur. Et moi-même, avant de connaître ça, il y a des gens qui m'ont écrit des livres. On a écrit un livre qui les murs parlent. Depuis 1986, le mur a parlé en Haïti. Monsieur Baudin a profité de mes cours l'autre fois encore pour demander mon yo, même si l'élection n'est pas arrivée, je ne suis pas sûr qu'il y ait un graffiti encore. Partisan, moi, j'aime te dire déjà, évitez écrit. Sous barrière monde, sous mur monde. Même si ma p'tit bon petit blague, bon nèg, moi, yo sale kaeli dans un boudon, hein? Et puis m'kope machine, moi, m'al frappe barrière. Parce que mur tellement belle, mur belle, mur jaune. M'frappe barrière, monsieur sorti, monsieur excité les lois. M'dis, mon chouan, pourquoi ça m'en a? M'en a parce que moi, que, y'a des mouns qui a fait des bagages en faveur, dans la tête, yo. Mais cependant, ça n'est pas correct pour ça, le mur la kaeli comme ça. M'vle, piturer mur là. Je ne suis pas sûr que je vais faire pour tout côté que ça t'arrive, mais je vais faire piturer mur là. Et bien, monsieur dit, mon cher, où m'est allé? Parce que dans la tête, je pense que c'est vous-même qui dévoyez les gens qui marquer. Ou pas voyez les gens qui graffiti. Vous avez pris des décisions personnellement. Donc, je ne crois pas que c'est un marqué. Vous apprécié ce geste-là. Il apprécie ce geste-là. Donc, je ne crois pas que c'est un marqué qui joue contre moi. D'ailleurs, j'aime toujours dire déjà, je suis déjà condamné. Mais pour la RIA, on est capable de dire son slogan, il y a des gens qui prennent de manière, on est capable de dire très péjorative, mais la RIA, c'est nous toutes. La RIA, c'est une machine. La RIA, c'est une machine papa d'app, une machine là pour là. Chauffeur taxi moto, chauffeur camionnette. C'est policier qui a souffert dans la RIA, c'est agent de sécurité, c'est universitaire qui a un diplôme dans le même, qui a une maîtrise dans le même, qui n'a pas joué de travail, qui l'a gagné dans la RIA. Ce sont des jeunes dans le pays qui ont un métier dans le même. Mais malheureusement, le marché du travail ne répond pas qu'il a gagné la RIA. La RIA, c'est classe moyenne qui est pratiquement décapitalisée. Donc, il y a un diplôme, mais il y a un business qui est obligé de faire un business à courir au Chili, au Brésil. Donc, la RIA, c'est notre autre. Donc, la RIA, c'est une expression pour montrer que nous prenons le gourmet pour peu haïtien. La RIA, pas de couleur. La RIA, pas de classe sociale. La RIA, c'est peuple haïtien. En majorité, c'est là qu'il a souffert dans le pays. Très bien. Nous avons une pause avec invité Assad Vol. Nous avons regardé comment véritablement Assad Vol était vive campagne électorale là et comment le 20 novembre. Même si il y a garantie, j'en dis, mais toujours une inquiétude sur date ça pour l'organisation de l'élection. Nous avons une pause, nous avons samedi à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Érosion, urbanisation, production agricole, développement, environnement. L'ensemble de ces sujets seront traités à l'émission Comprendre avec des invités de marque. Comprendre, mardi, jeudi, vendredi, 8h30 p.m.
dimanche, 1h PM, avec Michel Souka. Dans l'occasion de l'élection 2016, Radio Télésignal a organisé un sondage par téléphone qui a concerné 5 candidats. Jude Célestin, Parti La Paix, Marise Narcisse, Parti Famille Lavalas, Moïse Jean-Charles, Parti Petite Desalines, Jean-Henri Seyan, Parti Remé Haïti, Jovenel Moïse, PHTK. Pour qu'a choisi un candidat, râlez téléphone ou composé 34 38 3 4 3, 8. Voyez l'aller et puis suivez l'instruction. Bienvenue dans le sondage élection 2016 pour poste président Signal FM à faire. Suivez l'instruction pour qu'à choisir le monde ou quoi voter. Programme ça, c'est un sondage, c'est pas élection. Sondage présidentiel 34-38, une initiative Radio Télésignal. Mes amis téléspectateurs, chaîne 56, amis auditeurs 90.5 Signal FM, pour nous continuer à causer avec l'invité de matin, Assad Volsi. Assad, avant pause là, nous avons parlé de campagne électorale, là, comment commencer à vivre, ou expliquer le slogan Boulari, Assad le dit. Maintenant, nous faut garder le Sénat République là, puisque c'est là où vous voulez aller. Et qui ça, Assad Volsi, croit concrètement et les capoter pour pays à travers le Sénat République là, qui fait jeudi à livrer une sénateur. Ok. Mbaldou, qui ça, moun yo dit. La ria, quoi que je suis capable de voter, parce que c'est yo qui va vous présenter. Non, moi-même d'abord, la ria, ouais, comme sénateur de la République, j'ai une certitude que je vais faire les moins. J'ai une certitude que votre PAM en dans le Parlement, pas plus votre monnaie. J'ai une garantie que votre PAM toujours, a toujours dans le sens intérêt. Majorité monde dans le pays. Ça, il y a une garantie ça. Il y a une garantie tout que je ne suis pas encore corrompu. Il y a une garantie que je ne suis pas voter pour l'argent. Il y a une garantie que l'international, j'ai l'habitude de faire, pas faire pression sur Assad Volsi pour voter dans un sens ou dans un autre. Ça, c'est une garantie que vous gagnez. Il y a quoi dans la détermination? Là, il y a quoi que. Il a toujours fait pression, ça arrive qu'on pas marcher, mais il a toujours essayé. Absolument. Mm-hmm. Écoutez, ce n'est pas jeudi qu'il a tenté de corrompre. Mais cependant, avant que nous venions tenter de corrompre, Assad Volsi l'a réfléchi mille fois déjà. Parce que j'aime toujours dire, Martelly a fait l'expérience. Quand le 12 janvier 2013, alors que nous avons une manifestation qui est programmée sous Bel Air, et même de recevoir un député très proche du régime, dans un restaurant Rendez-vous 33, qui vient demander pour me camper la lutte là, eh bien, on est capable de dire, comme récompense, j'aurais 500 000 dollars américains pour me juste partir, faire deux ans dehors. C'est vrai, là, ça. Absolument. Je me dis, ça fait un bon temps, hein? Mm-hmm. Personne ne va jamais démentir. Et je gagne le député Patrick Joseph, hein? De Marmelade, hein? Qui témoin de ça. Et ce jour-là, je me seulement 500 gouttes dans le prochain. Et je ne suis pas de gaz. Je refusé pour 500 000 dollars, mais pour me vendre aux luttes que je crois que je vais mener. Et la rire contre ça. La rire connaît que je ne vais pas chercher richesse. La rire connaît que je vis modestement. En début de ça, je ne vais imaginer. La rire connaît que motivation première, moi, c'est goumer chaque jour pour Dieu m'était. Pour la vie au changer. Donc, on garantit ça. Comme sénateur, on a une fonction. On a une fonction de légiférer, on a une fonction de contrôle. Ce qu'on garantit, c'est que Assad Volsi, pas parler d'un groupe majoritaire pour faire président plaisir. Assad Volsi, tu as préféré être solitaire dans une bataille que la marronnée saucisse. Dans des projets qui ne sont pas projets éducation pour le pays. Dans des projets qui ne sont pas projets. Changement pour le pays. Dans des projets qui sont projets jeunes, nous, qui pratiquement la gagne dans la rue, deux bras balancés, ils ont ça. Et Assad Volsi, tout le monde connaît très clairement,
je dis, par rapport avec l'engagement que le prend en deux pays depuis ces 25 dernières années, parce que je commence très jeune, je dis à 41 ans, je connais très clairement côté me pralé. D'ailleurs, j'ai écouté me passer dans le quartier au France Exantus. Là, je commence à faire débat ou bien faire discours. Nous nous disons, on va plus se parler. Où travaille déjà, où goumé déjà, nous connais quand on pralé. Par rapport avec ces deux candidats là, je dis, hein, si y a marché bien mon nom dans la rue, il a fait porte à porte, c'est pour la première fois. C'est parce que seulement le candidat. C'est parler de Haïti. Je dis, c'est parce que seulement le candidat. Même moi-même, m'a connu avec la réalité ou la vie ou chaque jour, bon Dieu m'était. C'est ça que fait me dit, je dis, hein, engagement ça que je prends, je voulais l'autre fois encore, dans le micro. Ben, je garantis que je ne vais pas trahir la lutte là. Au niveau du Sénat de la République, une plus grosse question, par exemple, électeur opposé, qui projet loi ou gagne pour le pays. Mais à chaque fois que vous posez une question, ça, yo, nous répondons seuls gens. Nous je dis à Haïti, pas de problème loi. Il y a un problème d'application loi. Yo. Et il y a plusieurs exemples pour ça. Dans la quatrième section de Tigouave avant-hier, il y a un paysan qui prend la parole qui dit, est-ce que je ne vais pas voter une loi sous diffamation? La loi n'est tellement pas appliquée, nous ne pouvons pas continuer à exister. Et chaque fois qu'il se demande qui va voter dans le Parlement, parce que dans la tête, il n'y a pas de loi. C'est parce qu'Haïti n'a pas de loi qui fait que nous continuons là, mais Haïti a une loi. Je vais vous donner un exemple fondamental. La loi que Kelly Bastien a votée fait passer dans le Parlement sur les frais scolaires. Il y a deux gouvernements qui passaient qui n'ont pas publié la loi. Alors, ce que la loi, ça, c'est une loi qui te doit permettre aujourd'hui, à la rentrée des classes, maman et papa petit, ils sont soulagés. Mais pour qui ça, ils n'ont pas publié la loi, ça? Ils n'ont pas publié, justement, parce qu'ils n'ont pas aller en face de l'école Grand Négo, qui a exigé des sommes faramineuses. Chaque année, on a 5 ans, 10 ans dans l'école, ils ont exigé pour venir payer frais d'entrée, ils ont exigé pour venir qu'il y ait place dans même l'école, ça. Graduation de Simone, c'est pas parler. Mais qui est-ce, comme sénateur, moi, attendez, qui levait voix pour demander au gouvernement de publier la loi ça au profit du peuple haïtien. Il n'y a pas fait. Mais comme sénateur de la République, et ça m'a garanti aujourd'hui, hein, sous télévision et radio Signal FM. Depuis aujourd'hui, hein, je commence à dénoncer. Une fois arrivé au Sénat, nous allons continuer à goumer pour que nous forcer l'exécutif là. Publier loi ça au profit. Alors, c'est un aspect, dans ce que tu as parlé tout à l'heure, en pile fois, il n'est pas facile pour prendre distance à l'origine politique ou selon Jean-Paul posé. Par exemple, un ensemble de dérives ou même à un bon autre secteur, tu as dénoncé hier sous l'administration Michel Martelly et même bien avant. Je dis, il y a peut-être même dérive ça et ne pas attendre, on va ça de vol si vous même l'autre voix ça. Tu as dénoncé même dérive ça alors que c'est toujours PIA, c'est toujours ressources PIA qui a mal passé, c'est toujours corruption, c'est même réalité yo, pratiquement. Bon. Mais par contre, bon recul, bon accalmie par rapport à pratiquement même situation. Écoutez, il y a vraiment pas matière à comparaison. Et ça, ma responsabilité pour me dire, et je mets qui comme un défi pour ta comparer le régime de Michel Martelly, un régime d'Arababdi que le peuple haïtien a été voté, mettez, d'ailleurs, première différence, avec un gouvernement de transition qui a une mission bien déterminée. Pas une comparaison possible. Ça qui a passé pendant ces 5 dernières années et à ça qui a passé là. Parce que oubliez que, je dis, sans pas besoin de défendre privé, moi j'ai un mandat d'ailleurs. Il faut même prendre exil dans lutte ça. Il y a des gens qui prennent prison parce qu'ils n'ont pas d'accord avec ça qui a passé. Je n'ai pas de problème personnel avec Michel Martelly. Mais j'étais contre. Là, on est arrêté un député en fonction. Est-ce que je suis capable pour garder ça comme démocrate? Je dis, nous sommes capables effectivement capable de problème. Mais cependant, de là à comparer le régime passé avec ce régime, je pense que pas de possibilité. En plus, moi-même personnellement, quand j'ai négocié avec Joseph Brivère pour me supporter pour devenir président, nous avons des revendications. Qui ça a été? Une commission de vérification chargée de faire la lumière sur les élections. Eh bien, ça a passé. Malgré l'international, tu es campé en croix, pas de vlé. Malgré tes grandes pressions, Joseph Brivère l'a fait. Et là, je crois que je suis pas capable de peur pour me dire, il était pris courage, il est satisfait. Parce que d'ailleurs, s'il n'a pas fait, il peut pas arrêter son pouvoir. Il peut pas faire élection.
Deuxièmement, il faut créer les conditions pour organiser des élections libres, honnêtes et démocratiques dans le pays. Donc, la tente privée, là, au tournant. Il n'y a aucun autre nom quoi, là, pour me juger privé. Il dit mission, sa mission, c'est d'organiser des élections dans le pays. Quand il y a là, le peuple haïtien attendre au tournant. Il y a des élections qui sont programmées, qui étaient programmées déjà d'ailleurs pour le 9 qui sont passées là, qui renvoyaient à cause d'une catastrophe naturelle. On a profité de l'occasion ça pour nous saluer tout le monde qui est victime, pour nous dire c'est parti. C'est vrai que nous avons commencé à porter qui choix pour eux, mais ce n'est pas un gros moyen. Nous espérons que l'État continue de prendre responsabilité et nous espérons tout. Rapidement par le président légitime qui pourrait attaquer le problème ça parce que le gouvernement provisoire n'a pas rien, mais pas même légitimité pour le moins une question ça. Mais nous disons, nous disons privé, il faut des élections. Donc là, quand il y a élection envoyée pour le 20 novembre qui est venu là, nous attendons. Est-ce que déjà il y a des signaux qui montrent très clairement que privé a travaillé pour le secteur? C'est vrai qu'il y a des gens qui dénoncent notamment mon PHTKO, mais moi-même jusqu'à présent, beaucoup de signaux clairs. Et des doutes, c'est normal, puisqu'on est en matière politique, on ne peut pas faire personne cadeau pour dire que nous allons priver un blanc-seing et que l'élection prend la liberté démocratique. Nous avons un conseil électoral provisoire, jusqu'à présent, pas tant de tirer à boulet rouge sous lit, que ce soit moi-même, que ce soit PHTK, tout le monde a inscrit d'ailleurs dans l'élection. Ça. Donc, nous avons un Jocelyne Privert, donc son gouvernement, et le CEP dans l'élection. Ça. Moi, c'est candidat au Sénat, une élection à la présidence. Donc, nous disons, nous avons pour nous. Est-ce que arbitre là prend le neutre? Est-ce que juge de touche prend le neutre pour mettre le ballon à mi-temps centre et que le meilleur gagne? Mmh. Alors, préoccupation véritablement, ce n'est pas de question comparaison du gouvernement. On a parlé de structure, de comportement du pouvoir. Et par exemple, on a parlé de décaissement de plusieurs millions après inondation dans le Nord. Le président Brivère a fait criver. Pour quel résultat? On a parlé de question de 2,50 $ qu'on a dénoncé, qui est toujours là, je dis. On a parlé de loi ça, sous frais scolaires, qui est toujours dans le tiroir. Il est toujours dans le tiroir jusqu'à présent. Mais on ne peut pas attendre même velléité de défense de cette société de la part de certains candidats et de groupes pour là. C'est de absolument, ça nous félicitons. Mais cependant, en même temps, tout, nous ne pouvons pas jouer le jeu, on est capable de dire, de certains secteurs. Tout. Parce que qui s'est passé? Comme c'est qui peut pas dénoncer? Non, pas du tout. Mm-hmm. Pas du tout. On est en matière politique. Il y a des gens qui t'a ramené que je dis, nous prenons la rue pour jeter privé. Pour mettre un gouvernement provisoire pour faire élection pour eux. Alors que nous avons besoin d'un gouvernement pour faire élection pour tout le monde. Mm-hmm. Et je dis, il y a que cadre qui crée là, semblait, t'as dit que l'élection pour le faire pour tout le monde. Que ce soit ça qui passe dans le pays, nous dénonçons. Question de la 50 ans, nous dit, il faut un gouvernement légitime pour attaquer la question ça. Nous dit, question qui est pour avec frais scolaires là, nous dit, nous avons un gouvernement que le peuple a bâillé mandat. Le privé n'a pas de mandat constitutionnel, dans le sens que ce n'est pas le peuple qui l'a choisi. Napton, nouveau président qui va venir là, quel que soit le nom gagné, qu'il s'agisse de Moïse Jean-Charles, de Jovenel Moïse, de Juste Célestin, de Marise Narcisse ou de Henri Seyan. Donc, nous-mêmes, nous ne pouvons pas camper pour nous défendre, nous ne pouvons pas ici. Hein. Mais un gouvernement provisoire qui a une mission, justement, d'organiser les élections, eh bien, qu'il organise les élections, il retire l'école, eh bien, le gouvernement, peuple a mis TIA pour être capable de possibilité pour le contester, pour le dénoncer, pour le demander le compte. Mais, privé, nous avons au tournant, dans l'élection, ça, pour nous connaître, est-ce que il pourra le suivre, prédécesseur lieu, ou bien est-ce qu'il pourra le marquer au tournant dans l'histoire élection en un pays. Assad Volsi, candidat au Sénat, et Gondi divorce qui fait avec Moïse Jean-Charles de Petite Dessalines, et qui candidat à la présidence ou soutenu au moment de mon pour voter ou même quand on passe dans le cadre de rencontre politique par où. Ok. Il est clair que moi inscrit son bannière politique qui est candidat à la présidence. Donc, je ne fais pas campagne pour un président. Et naturellement, sur question qui vient à chaque fois, puisque Mounio, par rapport avec proximité, histoire, et ces deux hommes, Moïse et Assad, Mounio toujours besoin qu'on ait, pour qui est-ce demander vote, ou bien qui est-ce bral voter, etc. Et vous n'avez pas gagné origine Lavalas, surtout, puisque absolument. Moïse n'est pas candidat à Lavalas, Moïse est candidat à Petite Dessalines. Absolument. Et famille Lavalas, et Marise Narcisse, qui côté Assad Volsi, je veux dire. Pour les bagages, nous dit, c'est que nous faisons campagne pour contenu. C'est-à-dire, nous, pendant tout passage, nous, dans 22 circonscriptions électorales, yo, que nous avons profité de saluer, et bien pour l'engagement, nous prenons pour l'élection ça dimanche, pour y aller voter pour la RIA,
nous pas demandé voter président parce que nous pas gain président n'a supporté et d'ailleurs et nous te dit déjà jodi a nous non combat politique côté que nous c'est on victime donc bataille politique grâce à Dieu ak sa mbaweyo la ria campé pour le défendre nous so mbaweyo oui c'est eux tout qui campé pour défendre nous donc nous campé comme candidat mais en ce qui a trait avec qui est n'a supporté et nous profiter de micro ça de caméra ça pour dire nous pas gain candidat à la présidence nous pas gain candidat à la présidence parce que Banyen nous n'avons pas gain candidat à la présidence c'est vrai que Jude Célestin t'a souhaité que nous endossions candidature lui c'est vrai que Famille d'Avalas t'a souhaité que nous endossions la candidature de Marie Narcisse c'est vrai que Henri Seyer t'a souhaité que nous endossions le tout mais cependant nous dit nous voulons rester neutre dans l'élection pour ne pas avoir aucune consigne de vote. En mais tout cas, que, pour l'instant. Est-ce que l'attitude, on va penser peut-être c'est rancune qu'il faut gagner l'attitude, on va penser peut-être et auditoire là, fanatique, ou t'es plus apprécié si même si t'es un divorce avec Moïse Jean-Charles, par exemple, vous demandez Mounio quand même voter Moïse comme président, ou bien même si t'es un divorce bien avant tout avec famille Lavalas, nous avons toute histoire là, ou demandez vous voter et Marise Narcisse, puisque origine Lavalas, ou pas jamais gagné, puisque c'est là où sorti, c'est là où font pile mouvement comme militant. Est-ce que là où pas senti, et bien militant qui a dit quête? Comment ça te fait dire ça, je dis, Assad c'est Lavalas, Assad c'est petite Dessaline. Comment fait tout de quand ça a aucun candidat à la présidence et puis Assad dit le pas qu'un candidat. Je crois que pour petite Dessaline, une grosse décision politique que je fais, c'est le fait que je n'ai pas choisi à le supporter un autre candidat à la présidence en face. Candidat petite Dessaline, yo, qui a supporté. Ça, c'est déjà une concession majeure que Assad Volsi, depuis du fait que le victime, eh bien, orgueil, pas fait le courir à choisir l'autre candidat en face candidat Petit Dessaline. Ça, c'est une concession que les militaires recevront 5 sur 5. D'ailleurs, c'est une raison que fait camper mon côté. Donc, vous pensez que c'est plus fanatique que c'est mon Petit Dessaline? Absolument. Et je pense que la majorité de monde qui va voter mieux, c'est Petit Dessaline. Ensuite, on va jouer Lavalas, on va jouer La Paix, on va jouer Henri Seyan, on va jouer même base, monde qui n'a pas acheté KO, qui va le supporter dans l'élection. Mais majoritairement, c'est Petit Dessaline. Mais cependant, j'ai été dit déjà, on va le voter, même avec tout citoyen. Et comme le vote est secret, donc ça a prêté entre moi-même avec une. 29 ans, Massad, vous voyez que n'a privé là-dedans, grand pile garantie, même j'ai tout grand pile inquiétude, nous avons des interventions présidents, nous avons des présidents CEP et premier ministre Sénèque Jean-Charles, il y a garanti que nous avons gagné l'élection 20 novembre. Et il y a un rumeur tout, qui a circulé dans le pays, il y a même j'ai entendu tout ça qui a dit, vous voyez que 20 novembre, nous avons gagné l'élection. Et surtout, après résultat élection, il y a des incompréhensions et un pile candidat qui n'a pas décidé qu'il n'a pas accepté perdu. Tout le monde dit, c'est pour gagner là ou pas inquiet, ça qui a passé dans le pays, même au cas où l'élection a bien déroulé, après le résultat, dans ce sens, qui message vous gagnez aux populations? Ok. T'as une pile d'incertitude hein, qui était liée au fait que nous avons une période cyclonique. Est-ce que, par rapport à l'autre catastrophe qui va passer dans le pays, qui empêche l'élection en fait? Mais en même temps, où t'es comme l'impression jusqu'à la semaine dernière, où une incertitude dans la population? Même électeurs, même nous pour le cotiser, il y a moins de est-ce qu'il y a une élection jusqu'à la semaine dernière. Hein? Mais nous avons l'impression, cette semaine, et la perception, ou du moins l'opinion qu'on pense changer. Ou j'ai l'impression que nous avons entrer dans la dynamique électorale. Là. D'ailleurs, c'était au gouvernement pour créer le cadre nécessaire pour organiser l'élection, qui était garanti que vous pouvez arriver à créer les infrastructures nécessaires pour permettre que l'élection soit faite. Nous tendons à dire au pareil, et nous-mêmes, comme candidats, nous avons le choix que préparer nous tous pour aller dans l'élection. En ce qui a trait à climat, nous sommes capables de dire qui est environ l'élection. Hein. Et nous sentons que nous avons une tension latente qui l'a, et bah, la chauffer. Comprenez? Et nous avons Petit Dessaline, nous avons Famille Lavalas, nous avons PHTK, nous avons Jude Célestin. Et la paix dans l'élection, c'est pour une élection petite, c'est une élection qui a pile passion, fanatique, le chauffé à blanc. Mais tout ça, nous avons pour demander que ce soit si là, qui va voter pour Assad Volsi, le 20 cap venir là, et que nous sommes sûrs que nous allons gagner l'élection, hein, que ce soit si là, en tout cas, supporter l'autre candidat
au Sénat, ou bien ça qui a supporté le candidat à la présidence, toujours fait tout ça qu'on est pour éviter violence dans l'élection. Fait tout ça qu'on est pour assurer nous que vote là, c'est pour un vote qui est entaché d'irrégularité, de fraude, pour ne pas le plein boîte. Assurer nous que son journée qui passait, tête frette pour que le meilleur gagne. Et comme on te dit déjà, ben on s'est fait ennuyer. On te dit déjà, à cette fois-ci, pardon, sénateur de la République, nous parlons pour collaborer avec quel que soit si là, qui va diriger le pays. Bon, et si Jovenel devient président, est-ce qu'on va collaborer à Jovenel? Je dis, je ne suis pas contre un homme. Et non plus que je suis attaché avec Youmundo. Je combattre Jovenel Moïse, parce que le dans l'élection, grain soulier. L'idée pensait que je devrais le passer sous deux peuples haïtiens pour prendre pouvoir sans volonté peuple. Eh bien, on a combattu. Et je ne regrette pas que je me combatte. Et si je pour me combattre mon élection comme ça encore, ma préfère. Mais cependant, je ne je dis Jovenel Moïse, une président de la République, dans l'élection correcte, eh bien, je prends le premier monde qui reconnaît l'élection, il était faite crédible et que le président qui est élu, et comme sénateur de la République, m'a parlé pour me collaborer. Chaque fois, il parle de nos élections, et chaque fois tout, il a fait des rives, il a joué sous chemin. Ça, il va là pour Moïse Jean-Charles, qui est camarade de combat, moi. OK? Moïse Jean-Charles, président de la République, demain matin, eh bien, à cette vol-ci, pour reconnaître l'élection, et à cette fois-ci, pour collaborer avec lui chaque fois que la respecter parole que nous avons parlé pendant tout le temps, mais chaque fois que tu as une dérive, à cette fois-ci, pour que sur route. Et ça, valable pour Jude, il est valable pour Maryse, il est valable pour Seyan, il est valable pour Mme Bozil, etc. Ça, c'est mon comportement que m'a gagné dans le Sénat République. Là. Très bien, et grand pilote causé vous nous a dit, mais et là pour matin, on est obligé de dire à Sad. Merci. Dès que vous avez répondu à l'invitation, nous, et espérons, peut-être avant samedi si possible, et on l'autre appel qu'à lancer, et nous allons parler dans l'autre occasion, dans le cadre d'élection 20 novembre. Merci un peu, Sad. Merci un peu, sauf que nous allons parler de projets que nous avons, par exemple, nous avons travaillé sur une proposition de loi pour démocratiser le crédit en notre pays, parce que le crédit est pris en otage par une minorité, pendant qu'on bande de jeunes chargés, projet en tête, malheureusement, malgré le projet, il n'y a pas qu'à atterrir le projet parce qu'il n'y a pas l'argent. Nous avons travaillé sur un projet de loi qui doit reconnaître l'expérience volontaire comme expérience professionnelle, parce que je dis à chaque fois qu'un jeune a cherché travail, il y a 5 ans, 10 ans d'expérience, alors que n'y a pas de chance pour un jour pour commencer, alors que nous connaissons un bon jeune qui a fait volontaire dans le pays. Nous avons travaillé sur un projet de loi, côté que nous allons reconnaître expérience volontaire comme expérience professionnelle qui est capable de garantir les jeunes. Nous travaillons tout justement sur un projet de loi pour le secteur informel. Parce que nous ne savons pas quel système d'assurance qui prend en charge. Et bien, nous parlons sur un projet de loi qui est capable de permettre que nous savons que nous sommes capables de jouer un support à l'État, quitte à ce que l'État va prendre responsabilité dans ça, pour que nous empêchions que nous savons en pilote de mourir comme indigents, en pilote de mourir dans la faim, dans le grand goût, dans la misère. Donc, en même temps, nous voulons reconnaître que la bataille n'est pas facile parce que le Sénat a voté sur base majorité. Nous espérons que nous parlons de sénateurs corrects qui croient dans le pays, qui a pu nous mener combat ça pour la rire. Merci un peu. Merci un peu. Avec nous, Assad Volsi, l'espace invité à son antenne signal. Continuez, gardez cette chaîne 56, continuez, tendez 90.5 ans. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci un peu, Assad. Merci, Francis, à tous.